Aujourd'hui, on va faire du Clash Royale. Ça faisait longtemps qu'on n'a pas fait de petites vidéos. Alors, je pense que j'ai 80 000 or. C'est ce qu'on va voir. Au niveau des nouvelles, bon, on est au 11e jour de confinement et bon, j'ai pas trop suivi les infos là. Demain, c'est week-end. Il y aura peut-être des annonces. On verra ça tout ça plus tard. Pour l'instant, c'est l'heure du game. Sinon, ouais, j'envisage de faire peut-être un live demain, en après-midi. Et je ferai peut-être une vidéo Clash Royale. Non, Clash of Clans. Ça faisait longtemps aussi, parce qu'il y a des défis que j'ai à faire et un tutoriel. Ouais, le tutoriel, je crois que j'en ai débloqué deux, il me semble. Comme je suis monté au niveau 11, je les ai pas encore commencés, donc on va faire ça. Demain, journée Clash of Clans, du coup, je vais essayer de monter. Ouais, c'est vrai que j'ai pas beaucoup d'or, faudrait que je farme. J'accumule de l'or pour monter au niveau 200, c'est avec le rush 200, et là ici c'est le rush niveau 13. Se partir en premier lieu, je vais ouvrir. Je vais hop des cartes, on a déjà un petit pack opening, coffre en or. 588 or, un sous-sous, 28 barbares d'élite, 4 chevaucheurs de cochon, 5 béliers de combat. Et on va faire, si on va faire 3 heures, je crois. On va débloquer celui-là. Puis en guerre de clan, ouais, va falloir que, ouais, je ferai une vidéo recrutement. Alors le clan est pas mal. Parce que, attends, je vais regarder juste après combien on est. Je crois qu'on est 5 à participer à la GDC. Et du coup, il en reste plus que 5 à trouver, ça doit être faisable. Bon, là, on est 3, mais il y en a 2 autres qui vont rejoindre. 2 autres habitués, et on pourra lancer ça. Ce qui va être bien, ça va débloquer tout l'or qu'on a accumulé. Ah, je vais en avoir beaucoup. Je sais pas combien. L'autre fois, j'en ai fait 20 000, je crois. Tellement qu'on n'a pas, c'était pas très près, on n'a pas fait des GDC de manière assidue. Là, ça, je viens de découvrir qu'il y a ce truc-là. Mais j'ai eu peur, ouais, parce qu'il faut dépenser des gemmes. Là on est en mode full gem. Du coup, on va encore continuer à faire un pack opening coffre en bois. 114 or de gemmes. 13 chevaliers, 2 mini PK. Tiens, on va récupérer ça, c'est des sous. Très, très bien. Il y a ça que j'ai pas fait depuis fort longtemps. Non, c'était pas ça. Ouais, c'était pas ça. Bon, l'e-sport, on oublie, hein, on n'est pas assez fort. C'était ça. Il y a plein de trucs à les débloquer. Wow. Bon, on va pas faire tout. Oh, quoi qu'on pourrait tout faire là. Mais c'est grave long, je vous avouerai, c'est vachement long à récupérer. Alors, il faut récupérer quelle récompense? Ah oui, c'est indiqué, heureusement. Alors, coffre en or, 1144 or, 3 gemmes, 2 billets de combat, 3 gobelins, Sarrebacken, 7, 3 mousquetaires, et enfin, 63 esprits de glace. Ah bah c'est costaud tout ça. Ça continue, c'est pas fini. Ah ouais, on va tous les faire. 1132 or, 2 gemmes, 2 chauves-souris, 22 Tesla, 39 gobelins lance, 12 mousquetaires. Waouh. 1179 or, 3 gemmes, 13 gangs de gobelins, 22 fripons, 28 chauves-souris, 12 cabanes barbares. Oh, c'est la fête. 1173 or, 1193 or, 2 gemmes, 5 séismes, 7 cochons royaux, 62 lanceurs gobelins, une garde. On a combien d'or? Juste voir combien on a d'or. On a 89K. Oh, je vais peut-être monter à 100K, qui sait? 1102 or, 3 gemmes, 6 guérisseuses, 7 cache goblins, 61 colis royal, un fût à gobelins. Ouais, il y a encore 10 coffres à faire, quoi. Alors, 1129 or, 3 gemmes, 4 chevaliers, 12 barbares de lutte, 46 esprits de feu, 13 cabanes barbares. Ouais, on continue. 1183 or, 2 gemmes, 5 recrues royales, 25 fûts à squelette, 33 gangs de gobelins, 12 mini PK. Je crois que je vais m'arrêter à 100K.
Alors, 1074 or, 3 gemmes, une pierre tombale, 26 fripons, 36 chevaliers, 12 mousquetaires. Allez, ça continue. 1106 or, 2 gemmes, 6 artificières, 26 gobelins, 30 mégaboules de neige, 13 pierres tombales. 1140 or, 3 gemmes, 4 golems, élixir 61, colis royaux, 9 guérisseuses et un bébé dragon. Il y en a encore plein. Oh là là. Alors, 1191 or, 2 gemmes, 9 gobelins à lance, 52 colis royaux, une foudre, 13 extracteurs d'élixir. Ah, j'ai vu que je vais up la foudre, il m'en manque plus qu'une. 1090 or, 4 gemmes, 8 canons, 33 pierres tombales, 54 squelettes, 10 guérisons. Ça va aller vite tout ça. 1063 or, 2 gemmes, 30 colis royaux, 31 chauves-souris, un chasseur, 13 cochons royaux. Tiens, je vais voir. Ah bah c'est... Alors on va faire le dernier. On va arriver à 10 000. Alors, 1125 or, 2 gemmes, 10 fripons, 22 canons, 31 artificières, 12 fourrenaises. Il y en a encore et encore. On va jusqu'à... Ah, on a tout fait. Mais ça finit quand? Ah, 9 jours. Ah, on a fini en avance. Bon, bah, on va laisser pour d'autres vidéos ou pas? Tiens, je vais faire un pack... Je vais faire une ouverture pack opening. Enfin, pas copying, je veux dire, on va up les cartes. Ah, ça y est, on a tout up. On a plus que des cartes niveau 8. Bon, on n'a pas le choix. C'est ce qui rapporte le plus d'XP. On avait vu en proportion. Vaut mieux ouvrir des cartes comme ça. Petite carte en priorité. Bon, bah, on va claquer tous les sous-sous. Bon, on va quand même faire un gameplay après. J'espère que j'aurai le temps pour un gameplay. Sinon, je suis pas obligé de tout claquer. Parce que je pense que j'ai bien l'impression que j'aurai pas le temps de faire un gameplay. Ça en est déjà 7 minutes de vidéo et on n'a rien fait. Peut-être qu'on va claquer un peu. Ouais, on va pas tout claquer. Est-ce que ça se claque vite, ça que... Je me pose comme question. Là on va quand même faire un gameplay. Faut pas déconner. De toute façon là on a gagné pas mal d'XP. On est à 58k. Ouais, on va en laisser. Allez, c'est l'heure du gameplay. Combat. 3 minutes de combat normalement. Alors on va essayer de résister à max. Bon, j'ai comme carte, j'ai tout niveau 13 sauf la actuellement la comment ça s'appelle là, l'archer magique. Son nom m'échappait. Mince, là je joue mal parce que là je l'ai en... Non, fallait pas jouer comme ça. C'est pas grave, on va essayer de se repositionner. Alors on a pris cher. Ah, c'est niveau 10. Oh, c'est niveau 10, il joue très très précis. On va essayer de tuer comme lui. Bon, il a des cartes faibles, bon niveau 12, ça va. C'est gérable, niveau 11, un archer. Oh, il est plus puissant que le mien. Il va se faire one shot par... Ah, je croyais que qu'il allait one shot le bombardier. Non, ça faut pas que je me prenne. Ouais, c'était tout à fait évitable. Je fais nappe. Bon. En tout cas, au niveau des tours. Oula, attends. On va quand même arrêter celle-là. Il va me faire sa boule de feu. Est-ce qu'il va me faire sa boule de feu? Non, attends, on va jouer précis. On va attendre. On va faire de conneries. On va éloigner les troupes les unes des autres. Parce que. En boule de feu, j'ai plus rien. Ok, pour l'instant, on remonte la pente. Donc, il m'a infligé pas mal de dégâts, j'ai vu. Ouais, 2100 contre 2300 en face. Bon, il mène. Et il m'a infligé beaucoup plus de dégâts, vu que c'est qu'à niveau 10. Bon, on va essayer de faire le combat des tours de droite. Ah, ça, non, ça, j'en veux pas. Je suis désolé. Ça, je me le prends pas. Mais vite, les flèches. Oula. Non, c'était moins une. Bon, voilà, ça, le petit squelette sur le côté. Est-ce que c'est suffisant? Niveau 11, ouais, c'est crabe. Ok, bon, ça a l'air de... Ah, j'ai pas d'aérien. D'accord, il y a un mode aérien plutôt. Alors, est-ce qu'on... Et on prend encore des dégâts. Wow, ça va être un long gameplay. Quel suspense! Parce que le niveau 10 va me
rétamer la tête. Ok, il a envoyé les boules de feu. Oh mince, j'étais un peu lent, mais comme il n'a pas des boules de feu, je peux pop les. Je peux pop les. Barbares. Là, on va pop toutes les grosses tours. Pas de boules de feu. Ok. Bon, faut pas paniquer, mais il peut détruire ma tour. Ça, ça me fait très peur. Du coup, ouais. Là, ce qui me fait peur, c'est quand même ces bombers. Il faut que je me garde. Ouais, ça, faut vraiment pas que je me prenne des dégâts à cause d'eux. Ce serait vraiment très critique. Ok, on peut contrer ça. Ah, mince. Mince. On va mettre les barbares. Tant pis s'ils m'envoient la boule. Ah, j'ai plus mes flèches. Ah, faut que je repop les flèches, moi. Ah, ça y est, ils sont là. Après, je suis pas obligé, hein. J'ai quand même lui qui peut arrêter, peut-être. Attends, c'est juste pour voir. Ah non, il s'arrête pas, ok. Je mettrai vraiment les boules. J'ai pas le temps d'expérimenter, je sais pas comment arrêter ces cartes. On les joue pas souvent, ces explosifs, hein. Je sais pas comment ça s'appelle. C'est kamikaze. Ok, on est pas mal au niveau élection, on est pas mal. Ok. Si j'arrive à anticiper un petit truc là, ça serait bien. Ah mince, je l'ai mal centré. Je l'ai carrément mal centré. Heureusement qu'il m'attire avec ses troupes, ça c'est sympa. J'ai fait des petites fautes. Allez, renvoie-moi tes. Voilà, la gestion de l'élixir là est déterminante. Faut toujours qu'il me reste 3 d'élixir pour arrêter. Si vraiment il me lance ses petits. Ah, je sais pas comment ça s'appelle ces bidons qui se suicident. Ces barillets. Oh non, non. Je pouvais le faire, mais. Ça, il voulait m'attirer. Ok, mince. Faut que je pense à l'élixir, c'est vrai, je pense pas assez. Voilà, 6. On monte à 6, comme ça, il y a ça qui peut pas à tout moment. Je peux pas trop utiliser mes flèches. Attends. Est-ce que les barbares peuvent arrêter? Du coup, je vais mettre les flèches là. C'était moins une, c'était très risqué ce que j'ai fait. Ça valait pas le coup, je pense. Je continue à jouer tranquille. C'est vrai qu'il y a ces boules de feu là. S'il m'inflige des dégâts sur la tour de droite, les boules de feu vont me tuer. Ah oui, il va essayer de me tuer petit à petit. Ah, il m'inflige des dégâts sur sa tour, on va faire le countdown. Oh bon, on a eu des trous sa tour. Ouh, heureusement c'était qu'un niveau 10, hein, parce que sinon je passais pas ses tours. Hein. Oh là là, c'était chaud, je vous avouerai que j'ai eu du stress, là, il y a eu une montée d'adrénaline, j'ai rien compris. Bon bah voilà, je vous dis à la prochaine, ciao tout le monde.